J'en ai marre, faut que ça sèche, j'en ai marre. Hello, j'espère que vous allez bien. Alors, je me mets devant ma déco, voilà, ma déco de Noël. Regardez, je vous la montre. Elle est trop belle. Et puis là, il y a des bottes en haut. Regardez, voilà. Alors, j'ai tout changé, hein. On va faire un mode bande. Je ne crois pas, c'est la première fois que je commande. D'habitude, je commande plein de trucs, mais jamais Uber Eats. Là, j'ai commandé à Uber Eats en même pas. Je viens de commander, hein. Je viens de commander. C'est déjà là. Il y a 5 minutes que j'ai commandé. J'ai même pas eu le temps de regarder où c'était. C'est déjà là. Un truc de fou, hein. Alors. Alors, j'ai demandé. Bien sûr, j'ai demandé les couverts. J'ai payé les couverts. J'ai pas de couverts. Non, mais moi, j'en ai marre, faut que ça sèche, j'en ai marre. J'en ai marre. Je vous jure, j'en ai marre. J'ai commandé des couverts, je les ai payés 1,50 €. Il n'y a pas de couverts. C'est un truc de dingue, ça. À chaque fois, il m'arrive un truc, moi, ouais, c'est un truc de fou. Bon, j'ai demandé une paille, il n'y a pas de paille. J'ai payé en supplément. Ah, c'est ça le couvert? Non! C'est ça le couvert. Bah écoutez, hein, j'arrête. Hein. Mais si vous saviez tout ce qui m'arrive, des trucs, j'ai commandé un ordinateur, j'ai payé 1000 euros. J'en ai eu pour 600. Alors on va faire un mukbang. Oh là là, j'adore. J'adore, 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 j'adore. Oh, j'espère qu'ils m'ont mis vraiment de l'ananas comme convenu. Hein. Parce que moi, j'aime que l'ananas. Il est où l'ananas? Oh non, mais il n'y a pas d'ananas. Mais c'est trompé le gars, c'est pas à moi qu'il fallait livrer ça. Mais il est où l'ananas? Oh non, putain, je déteste. Attendez, vous savez quoi? Je vais être obligée de les appeler. Bon, je vous explique, hein. Attendez. Du coup, j'ai la petite sauce et j'ai rajouté mes ananas que je viens de faire frire. Regardez. Maintenant, je vais me le manger avec les frites et tout ça. Allez, je vais avec vous. Je vous emmène. Regardez quand je vous dis, là, il n'y a pas de date. Parce que là, il n'y a pas de date. Moi, j'achète des trucs, il n'y a pas de date alors que je paye le prix normal. Donc ça, j'ai contacté Liebig pour voir avec eux comment ça se fait, si je peux la manger ou pas. Donc j'attends leurs nouvelles. Ben oui, ils n'ont jamais bu ça, il n'y a qu'à moi. Du coup, je prends mon coca à moi. J'ai pas encore mangé l'ananas. On va manger les frites. Allez. Sauce Biggie. On mange les frites, des frites maison, hein. Regardez. Oh, on a de la compagnie. Regardez. Ma vie, elle a envie d'aller dans le sapin, c'est ça le problème. Elle va manger avec moi. Tu manges avec maman? Allez. On y go. Je vais manger comme une porc. J'ai pas encore l'ananas. Pourtant, j'en ai mis plein. C'est un M à l'intérieur, il y a du fromage. Ouais. J'ai tout mis ensemble, l'ananas, d'un côté. Alors, il était hors de question que je ne le mange pas, mais il fallait que je rajoute de l'ananas. C'est bon. Des vlogmas comme ça, j'en veux tous les jours. Mon bébé d'amour. Non. Oh, j'ai acheté aussi un truc exprès pour faire des vlogs.
C'est pratique, hein, mais le truc de lumière, il marche pas. J'ai pas envie de le ramener, ça me saoule. Tu veux une frite, bébé? En direct. Bon, et l'ananas, il arrive quand là? En plus, il y a triple steak. Là, je sais pas combien il y a de steak. Regardez. Franchement, c'est une dinguerie. Regardez la tomate. Attendez. Je me connais, je vais tout faire tomber. Ah bah attendez, je suis bête. Voilà. Voyez, comme ça, avec ce truc vlog là, c'est génial. Il y a le micro. Il y a le LED avec. J'ai acheté au Black Friday. J'ai acheté un ordinateur. J'ai payé 1000 euros. Un cadeau de retraite. Et il s'avère que je l'ai eu à 700 euros avec le Black Friday. Mais c'est pas fini. Pour ça, je dis, il faut que ça cesse. Eh bien, en fait, l'ordinateur, il a été livré dans le magasin et la souris chez moi. J'ai cherché l'erreur. Donc, là-bas, ils m'ont fait des cadeaux, mais j'en ai marre. Moi, je veux pas de cadeaux. Moi, je veux que les trucs soient bien. Mais à chaque fois, j'ai des cadeaux. Là, ils m'offrent un deuxième gratuit. Avec l'ananas. Ben, j'irai demain. Bon. Je suis à la hauteur de la lune, je suis sur mon tapis. Désolée, la déco, elle est là. Voilà. Mais c'est pas mauvais. Vous avez vu, moi, je mets du feu de cheminée. Je sais pas si c'est digne d'une femme de 62 ans, mais je m'en tape royalement. Je m'en fous. Vous n'avez pas vu des vlogs masses comme ça. Une frite. Sauce Biggie. Je vous l'avais dit qu'il allait y avoir des vidéos bizarres. J'ai fait un ASMR. À la base, je voulais pas faire ça. Mais j'ai trouvé que ça faisait super ASMR. Donc j'ai mis. Le but, c'est d'avoir la recette de cuisine, hein. C'est pas de. Allez, viens. Viens, nanou. Viens, bébé. Franchement, le déco, j'aime beaucoup. Après, je vous détaillerai le sapin une autre fois, peut-être. Bah, franchement, j'ai mis plein d'ananas, je les sens même pas. Eux, quand ils font, c'est une dinguerie. Et moi, j'en ai même plus. Voilà.
Franchement, c'est pas pur. Il y a des oignons. Il y a de la tomate. Il y a de la salade. Il y a des oignons frits. Il y a du steak haché. Il y a du cheddar, mais je l'ai enlevé. Il y a mes ananas à moi. Mais à peine j'ai commandé, j'ai voulu regarder quand est-ce que ça arrivait, ça sonnait chez moi. Je n'ai pas compris. Bébé. Je suis pas très bien. Mais franchement, les ananas, ils sont où? En fait, je comprends pas, les ananas, je les ai eu en... Parce que eux, ils font griller une grande tranche d'ananas. Et moi, j'en avais pas. J'avais juste des ananas en morceaux. Vous voyez, vous pouvez agrémenter hein, vous-même. Hein. Mais l'autre, il est bête. Hein. Parce que j'ai pris un hawaïen, donc c'est avec ananas. Et j'ai mis beaucoup plus d'ananas. Et lui, il m'a mis moins, il m'a pas mis d'ananas du tout. Oh, il n'est pas con, pardon, il est gentil, mais bon. Au début, c'est tout nouveau, toujours tout bon, tout nouveau. Puis après, ben, on s'en lasse, quoi. Franchement, là, c'est frais, hein. Ivy! Oh, Ivy! Oh, je vais vous montrer où elle est. Ah, oh, la bourrique. Ivy! Elle va tout me faire tomber. En 2 secondes, elle va tout me faire tomber. Vous voyez, hein. Je sais pas si vous la voyez. Ivy! Viens ici! Ivy! Est-ce que je vais acheter Ivy? Regardez la bourrique qui a fait semblant. Vous la voyez? Elle est là. Oh la vache. Si elle fait tomber le sapin, elle fait tomber, elle sort. Ça y est, elle est installée, elle est en dessous. Elle est en dessous. On la voit plus du tout là. Regardez. Alors on la voyait, on la voit plus. Elle a tout. Voilà. Ah oui, je te vois. Hein. Bon, ben, moi, j'aime que les ananas. Alors, la prochaine fois, je me ferai griller que des ananas. Ce sera très bien. Mais c'est copieux. Hein. Si vous aimez la viande, si vous aimez le fromage, le cheddar, le. Moi, j'aime pas le cheddar, mais si vous aimez... J'aime le cheddar, mais ancien. Le blanc, pas le orange. C'est copieux. Franchement, c'est copieux. Oh, la bourrique, elle est carrément en dessous. La table, elle tient pas bien, quoi. Il va falloir que j'y mette un truc pour qu'elle s'installe en dessous. Ivy! C'est pourri. Il reste ça. Hein. Et il reste la sauce. J'en peux plus, hein. Il reste la sauce. Voilà, c'est super copieux. Bon, je vais garder ça pour ce soir. Vous avez mangé ça, vous êtes calé, c'est du cheese nail.
Une dinguerie, je vais vous montrer. Ah oui. Donc mon ordinateur que j'ai acheté 1000 euros, enfin je l'ai payé 699, il faut que j'aille le chercher. Ça s'appelle ici, c'est fait maison. C'est des cheese nen avec du fromage à l'intérieur, avec du beefsteak haché, avec de la tomate, des oignons si on veut, enfin, des oignons grillés, de la salade. On n'est pas obligé. Et par contre, ah ouais, en plus, moi je lui ai dit, j'ai payé un supplément pour mes ananas. Il me dit, c'est un supplément. Je dis, ben, je l'ai payé quand même. Alors il me dit, oh là là, je ne sais pas quoi faire. Ben, je lui dis, c'est dommage parce que je vous aime bien en plus. Je lui dis, écoutez, c'est pas grave. Il m'a dit, venez, je vous en refais un. Oh, ben, je lui ai dit, je vais le congeler celui-là. Alors, et en fait, je me suis dit, je vais cuire des ananas dedans. Voilà, faut que ça cesse parce que j'en ai marre. À chaque fois, plein de problèmes. Là, il y a la lumière ne marche pas. Il faut que j'aille me faire rembourser. J'ai pas envie, mais je comprends pas. J'attends mon fils, de toute façon, je verrai bien avec eux. Là, l'ordinateur qui est Pétaouchnok, là, enfin, il n'est pas très loin. Faut que j'aille le chercher. En plus, je ne peux pas envoyer quelqu'un. Ça peut être que moi, parce que vu la somme, ils le donneront à personne. Voilà. Donc, il faut que j'aille le chercher. C'est un ordinateur gaming. Et honnêtement, j'adore le gaming. Mais vraiment, j'adore le gaming. Boss Papane, si tu passes par là, je te fais plein de bisous. J'adore ça. Mais vraiment, c'est un truc de fou. J'ai toujours aimé. J'étais modératrice dans chez Boss Papane, Stéphanie. Hein, on était toutes les deux. Panda, mamie, maman Panda. On était toutes les deux modératrice. Moi, je suis restée assez longtemps modératrice et après, je suis partie. Parce qu'il me disait, ouais, tu te dégommes plus vite que ton nom. Laisse-les au moins parler. Donc, voilà. Mais c'est autre chose, hein. C'est pas 20 personnes, hein. Là, c'est des personnes qui arrivent. C'est beaucoup de personnes qui arrivent et c'est des gamers, quoi. Alors, mais franchement, c'était bien. Et donc, j'aime bien et je regarde, j'aime bien. Et peut-être je vais me lancer là-dedans, j'en sais rien. Je sais pas. À mon âge. Je suis à la retraite, hein, je fais ce que je veux. Hein. Sur ce, mes abonnés, je vous aime du fond de mon cœur. Et vous le savez, ma communauté, vous êtes très importante pour moi. Je vous aime énormément. Je vais clôturer le vlog. Voilà, le vlogmas, je vais le clôturer aujourd'hui. Vous avez vu mon sapin, vous avez vu ma déco. Ça, c'est mon nouveau téléphone. J'ai commandé une coque RhinoShield. Pareil, payer une blinde, je ne sais pas quand est-ce que ça m'est arrivé. J'ai commandé un t-shirt The Event pendant l'association, il n'est toujours pas là. J'ai commandé un colis japonais, je ne devais pas payer des frais de port, je paye des frais de port. Mais je vais bien, tout va bien. Voilà, donc pour ça je dis faut que ça sèche, j'en ai marre. À chaque fois c'est sur moi que ça tombe. Et les gens ils me disent toujours, mais on n'a jamais vu ça, une soupe sans date. Ben, je dis, il n'y a que moi. Je suis désolée, il n'y a que moi. Pour tout, hein. Vous, c'est... Ah ben, je ne peux pas tout vous dire, mais il y a des trucs incroyables, quoi. Moi, c'est des choses qui m'arrivent, je ne peux pas les dire, mais il y a des choses que je ne peux pas dire. Mais en tout cas, les choses qui me sont arrivées dans ma vie, ce sont des choses incroyables qui n'arrivent rarement. Ça arrive rarement à des personnes. Mais moi, je ne sais plus ce qui m'est arrivé. J'ai même dit l'autre fois, non, mais il n'y a qu'à moi que ça arrive, quoi. Tout le temps. C'est pas méchant, attention, hein. C'est jamais méchant. Au contraire, c'est que bénéfique parce que je peux avoir des cadeaux alors que je demande rien. Mais l'autre fois, pareil, on m'a donné 10 euros. L'autre fois, on m'a donné 1,80 en cadeau. L'autre fois, on m'a donné des bons. De ce côté-là, c'est parce qu'il m'arrive des choses et voilà. Et c'est casse-pied. Hein. Et, par contre, la FNAC, je suis pas contente du tout. Honnêtement, la FNAC... Je vais chercher la FNAC Darty, depuis qu'ils sont mis avec Darty. La FNAC Darty, je vous assure... C'est quoi ça encore? Ah oui. La FNAC Darty, je vous assure que là, sincèrement, je ne les recommande pas. Parce que... En fait, ce qui s'est passé, c'est que... Bah, je ne sais pas combien de temps il va durer le vlog, mais il va durer une éternité. C'est bien la première fois. Ce qui s'est passé, c'est que tout simplement, moi, je...
J'étais accompagnée pour acheter l'ordinateur via une chat parce que la personne, elle m'a dit, je veux vous assister. Bon, je lui dis, allez-y, hein, parce que c'était la chat de la FNAC. Et elle me dit, ok, tout est bon. Je dis, vous êtes sûre? Je dis, parce que moi, je suis la mère gaffe. Hein. Elle me dit, non, non, elle me dit, oui, vous inquiétez pas. Votre souris, elle est bien à la maison. L'ordinateur est bien livré à la maison. Qu'à cela ne tienne. Je dis, ok, pas de problème. Et puis, je reçois un mail me disant, en plus, je l'ai noté 10, vous imaginez? Noté 10. Je reçois un mail me disant, votre ordinateur est... le lendemain, remarque, c'est déjà bien le lendemain. Votre ordinateur est arrivé à l'endroit prévu, à la boutique prévue. Je dis, pardon, quelle boutique? Donc, je reparle à la chatte, je leur redemande, et je leur dis, est-ce que vous pouvez, s'il vous plaît, me dire si c'est possible que quelqu'un aille le chercher pour moi? Avec, je ne sais pas, des documents. J'attends une demi-heure, je suis bien gentille, mais quand même, j'attends une demi-heure et au bout d'une demi-heure, elle me dit, ben, je me suis renseignée et en fait, c'est pas possible. Je dis, attendez, vous avez attendu une demi-heure, vous m'avez fait attendre une demi-heure pour me dire que c'est pas possible. Mais je dis, mais vous ne le savez pas déjà à l'avance, ça, c'est une chose que vous devez savoir quand même. Donc du coup, elle m'a dit, on est désolée, on va vous faire un geste commercial. Alors, je leur ai écrit, je leur ai dit, mais j'en ai rien à faire de vos 15 euros de réduction. Je viens d'acheter un ordinateur qui coûte une blinde, je viens d'acheter une souris. Je dis, vous croyez, qu'est-ce que vous voulez que j'achète là? Je vais rien acheter. Hein. J'ai acheté un truc vlog pour l'ordinateur, pour vloguer. Je dis, qu'est-ce que vous voulez que j'achète de plus? Alors, ils m'ont dit qu'ils allaient me recontacter. On verra bien. Voilà, je me laisse pas faire. Je me laisse pas faire parce que c'est pas normal. 15 euros, mais 15 euros pourquoi? Pour acheter un truc à 300 euros? Parce que les 15 euros, eh ben, on ne peut pas acheter de livres, on ne peut pas acheter de trucs à 20 ou 30 euros, quoi. Il faut acheter un truc à 1000 euros. Non, mais oh, hé. Voilà. Donc, du coup, je suis en colère contre la FNAC. Mais c'est rien. Je vais aller chercher mon ordi dans la semaine. J'ai 15 jours pour aller le chercher. C'est un ordi qui est parti très très vite parce que c'est un ordi gaming. Il est rétro-éclairé, il est super puissant pour les montages. C'est du gros matos, voilà. Et je me dis, ben voilà, parce que ça va être la retraite et donc j'ai envie de profiter pleinement de tout ça. Bon, ben voilà, ben, ce petit vlog, c'est bien la première fois que je fais un vlog comme ça, hein. Que je mange, que je fais la cuisine, que je vous parle, que je vous montre la déco de Noël. Voilà, c'est un vlog masse. Je pense pas qu'il y en aura tout le temps des longs comme ça, mais voilà. Sur ce, j'espère que ce petit vlog vous a plu. Je vais le clôturer. Je vais faire comme une star. Ça y est. Non, elles font comme ça. Non, elles font carrément un fond noir. C'est encore plus ça. Elles font ça, puis elles mettent un fond noir et hop, c'est facile. Voilà, ben sur ce, je vous fais plein plein de bisous. Abonnez-vous si vous n'êtes pas abonné. Likez, partagez, commentez. Je raconte pas ma vie, mais je vous partage des choses. Voilà, mais je raconte pas ma vie, mais voilà, c'est des choses qui arrivent. Moi, voilà, j'en ai marre parce que je dis faut que ça cesse parce qu'à un moment donné, c'est ras-le-bol, c'est un ras-le-bol total de tout le temps, tout le temps, tout le temps, tout le temps. L'autre fois, pareil, je fais une déco, je me prends, il n'y a qu'à moi hein, que ça arrive. Le médecin, il m'a dit, c'est quoi ça? Je dis, ben, c'est un hématome. Ah oui, je ne vous ai pas dit, au fait. J'ai été, comment dire, opérée, vous savez bien. Enfin, ceux qui ne me connaissent pas, parce qu'il y a beaucoup de nouveaux abonnés, je voulais vous dire que j'ai été opérée en urgence parce que j'ai reçu un pot de verre dans le pied. Une catastrophe, moi. Et un bout de verre dans le pied. Donc, j'ai été opérée en urgence. Et il s'avère que ça fait depuis le mois de mai, je crois. Et il s'avère que ça, depuis le mois de mai, j'ai un petit problème au pied, mais en dessous. Alors, la cicatrice, c'est une catastrophe, il me l'a dit. Donc, j'ai un antibiotique, une crème. Et donc, en dessous, et ben, en fait, je croyais que c'était une verrue, c'est une infection due à l'opération en dessous du pied. Parce qu'ils ont dû me mettre dans un étau et j'ai dû faire une infection. Donc, là, on traite avec de l'antibiotique en crème. Et. J'en loupe pas une. Attendez, c'est où? C'est là, je vais vous le chercher. Et j'en loupe pas une. Mais moi, je les loupe pas. Hein. Allez, regardez, normalement, ça tient super bien. Le truc est tombé. Je l'ai pas vu parce qu'en fait, normalement, c'est comme ça. Et voyez, regardez, c'est comme ça. C'est une petite lumière, c'est trop mignon. Voilà. Me demandez pas où je l'ai acheté parce que je l'ai acheté il y a moins de 2 ans. Et du coup, ben, le truc, il s'est fait comme ça, moi qui suis une brute, une hyperactive, j'ai marché dessus
Eh bien, j'ai un hématome en dessous le pied, juste à... Mais j'ai eu de la chance. Par contre, je vous jure que j'ai eu de la chance. Je me suis dit, ça y est, je retourne à l'hôpital. J'ai cru que c'était où il y avait l'infection, que ça s'était rentré. C'était rentré. C'était juste à côté. Donc, j'ai un hématome à côté. Et donc, le médecin me dit, c'est quoi? Je lui dis, c'est ça. Il me dit, bon, c'est pas grave, ne vous inquiétez pas. Il me dit, est-ce que je vois un gros point bleu? Ben, je lui dis, oui, c'est le machin que je me suis enfoncé, mais heureusement que je ne l'ai pas enfoncé dans l'infection, quoi. Voilà, et eh bien, sur ce, je pense que je vous ai tout dit. Voilà, c'est vrai qu'il faut que ça sèche, j'en ai ras le bol, parce que je les collectionne. Je les collectionne, je les collectionne, je les collectionne. Bon, sur ce, je vous embrasse très fort. Je vous dis I love you, ich liebe dich, te quiero, ti amo. Et je vais vous laisser avec ma déco de Noël. Ivy, elle est partie, ça y est. Ma déco de Noël. Voilà. Hop. Et hop.